Bienvenue tous à tout ça. Welcome. Bonsoir et bienvenue sur la partie de Cops Redux, parce qu'on a plus de temps. Alors, je rappelle qu'au dernier épisode, vous avez listé les différentes possibilités que de choses que vous pouvez faire. Maintenant, peut-être faire quelque chose, ça serait pas mal. Oh, tout de suite. Dernier épisode, il y a 2 semaines d'ailleurs. Non, il y a une semaine. Dernière. Et une semaine, c'était annulé parce qu'on était que 3. Non, c'était il y a 2 semaines. Non, c'était il y a 2 semaines. Ça. Je sors d'hibernation là, c'est incroyable. Ouais. Une hibernation foireuse, hein, j'ai envie de dire. Tu sors de ton cocon, peut-être. La blague qu'on m'a genre fait 100 milliards de fois déjà. En même temps, t'avais plus qu'à choisir mieux ton pseudo. Hein. Vas-y, dénonce. Moi je connais un film du même pseudo, il est très bien. Non. Viagra pour vieux. Concentrez-vous sur la partie du jeu. Excusez-moi. Bon. Ah mince. Parce qu'on l'a un peu trollé hein, sur ce film. Ah bon? Dans tous les sens. Ah oui. Dans la petite sacoche en haut à côté de la bouteille de gaz, mais j'en ai besoin, il faut le remettre dedans pour demain matin. D'accord. Donc, on était parti du principe qu'il fallait rentrer dans l'école. Ouais, ouais. Mais moi j'avais mon rendez-vous avec le parrain. Hein? Bah avec Drake, là j'étais censé le voir pour qu'il me file les costumes ou je sais plus quoi. La ouais, tenue. Le parrain, ouais. Exact. Oula, oula, mais c'est pas un parrain, enfin c'est... Oula, bah, pour moi si, j'avais précisé, hein, c'est le parrain. Non, c'est son... mais... Il avait dit que c'est oui, son oui, parrain. Oui, non mais c'est pas ça, c'est moi, le parrain, plein d'autres trucs aussi, mais bon. Bon. J'essaie de me resituer dans le temps, mais j'arrive pas du tout là. Putain, où sont mes notes? Alors, on est le 25 avril. 2016. Je vais me mettre dans un canard. Hop, et voilà. Putain. Hop. Voilà. Elle est où? Elle est là. Eh ben non, je veux pas le livre de règles, je veux l'écran. Voilà. Voilà. Je remets bien sur la timeline. Donc, touk-touk, on était à J plus 2. Fin de jour. Ah merde, au fait, moi ça fait combien de temps que j'ai pas régénéré du coup Ouais, parce que je suis toujours en 36 depuis. Ouais, en même temps, on a pas changé de journée. Hein. Ah ouais, c'est ça, on n'avait pas changé de journée, donc c'est pour ça. Ça explique. Alors, t'as toujours plus de points que moi. Hein. Parce que c'était le lendemain pour certains hein, les trucs. Parce que c'était alors soir. Normalement il y en avait qui voulaient aller à l'école. Il y en a d'autres qui voulaient essayer de le cimetière. Enfin si à l'école parce qu'il y avait le chef de la sécurité au moins qui pouvait rencontrer là-bas. Oui. Mais voilà. J'avais dit c'était le lendemain ou pas en fait, et vous m'avez dit oui le lendemain, donc on est d'accord qu'on a J plus 3 donc maintenant. Ouais, on est d'accord. Donc, donc là je reprends combien de points de vie au fait? T'en perds pas déjà. C'est oui, ouais, ça. Alors, régène de vie. Je crois que c'est. Ouais. Et tu veux pas l'écrire ton taux de régénération par an, par jour? Non, je crois que c'est la même pour tout le monde.
Oui, mais je crois que c'est 3. Tu peux l'écrire aussi, hein. Oui, je peux l'écrire aussi, ouais. Récupération. Alors. Non, ça, c'est pas la récupération naturelle, ça, c'est la récupération si tu fais un soin. Blessure et guérison, voilà. Perte de points de vie, récupération naturelle. Un point tous les deux jours. Donc non. Un point. Un point tous les deux jours. C'est ça. Non, tu peux aller à l'hosto. Oh, bon, tant pis, hein. Je vais mettre 15 jours à... Comme je dis, sinon tu peux aller à l'hosto. Ouais. Bon, c'est... De toute façon, faut faire d'abord le. Aller voir le capitaine. Tu fais quoi en premier, le lendemain matin? Aller voir le capitaine? Oui. Oui, on doit se présenter à 8h. On va tous les jours se présenter. Je sais pas si on avait fait cette scène la dernière fois ou pas. Si. Si, parce que moi j'avais récupéré l'équipement pour écouter tout ça. Ah oui, t'as fait ton truc d'écoute. Pour ça, ça me paraissait bizarre, il y a quelque chose qui me paraissait. Donc, bah, il doit être 10h, quoi. Et faites quoi? Bah, c'est... bon. Chris, je te conduis? Yep, je veux bien. Ouais, bon. On va faire ça. Dans ma vieille carlingue. Moi, j'ai dit que j'y allais pas, parce que vu que j'ai fait le tour de tous les écrans de télé de Los Angeles, je pense que je suis connu comme le loup blanc, si je vais là-bas. Ou plutôt qu'il y a une forte chance qu'on me reconnaisse. Ce qui serait très con. Donc, on va éviter. Ok. Obi ? Ouais. C'est moi ? Oui, bah, justement, j'attends. Hein. J'attends de savoir ce que vous faites. Hein. Eh ben, moi, je vais aller au cimetière, non ? C'est aujourd'hui qu'on peut y aller. Parce que c'est demain, le... Non, c'est vendredi... là, on doit être, quoi, jeudi, et c'est demain, l'enterrement. Bah, justement, on y va avant pour placer les micros. Mais on va avoir un micro-canon. Et alors? Excusez-moi, vous pouvez arrêter la cérémonie 2 secondes, là, je vais mettre le micro sur ce cercueil, s'il vous plaît. 2 secondes, bougez pas. Bah, on... plusieurs moyens... C'est toujours une sécurité. Moi je voyais plus les. Oui, c'est pas faux, je suis d'accord. Mais je voyais plus les micros dans le genre pour en mettre un dans la chambre. Dans les chambres des gars qu'on. J'ai oublié les noms. Tu veux rentrer dans l'école et mettre les micros là-dedans? Ça, c'est Chris qui s'en charge. Des micros, pourquoi pas si tu veux. Alors, attends, parce que. Oula, je vais rappeler les portées parce que là. Un doute sur les portées des micros là. Et surtout sur le nombre que vous avez par rapport à ce que vous voulez en faire. Vous vous rappelez, Obi, combien je vous ai filmé? Deux micros, non, trois fixes et un canon. Ouais, c'est ça. Alors, hop. Bon, après, comme je suis honnête, tu peux en donner un quatrième, hein. Bon, voilà. Non. Faut pas déconner. Alors, tac, émetteur, récepteur, matériel de communication, c'est pas ça. Oh putain. 2-3 pages là. Bon, dans tous les cas, on est devant l'école, on est. Ou alors c'est Christopher qui se fait tout ça, tout le monde le regarde. Bah, moi je peux le déposer genre quelques rues et puis il finit à pied quoi, c'est tout. Moi. Parce que je dois pas. Plus discret, ouais, déjà. Je serais assez d'accord avec ça. Ah, c'est déjà plus discret parce que moi je rappelle, hein, c'est une. Il faut que tu aies récupéré un uniforme. Les micros que vous avez, les petits micros, hein, c'est 100 mètres là, hein, qu'il faut mettre le. Oui, mais on a un enregistreur. Oui, mais ça veut dire qu'il faut le récupérer l'enregistreur. Oui, bah, on en retournera dans un jour ou deux et puis voilà. Bon, alors, on va faire au début. Donc, on va faire d'abord l'école. D'abord, donc, tu passes chez ton parrain, tu récupères, il te file. Bah, un costume d'étudiant. Yep, ça me va. Et il en a pas un d'étudiante? Bah non, il s'habillait pas en fille à l'époque. Bah, il est peut-être marié, il a peut-être fait des soirées, c'est bon quoi. Non, clairement pas. Et puis c'est pas ce que l'autre lui a demandé. Hein. Non, moi j'ai juste demandé le costume pour que je puisse rentrer, mais pas pour une fille, non. Ça a pas été demandé la dernière fois. Ouais. Non, mais avec un déjà, c'est pas mal. Oui. Mais dis de pas l'abîmer.
parce qu'il aimerait le récupérer en un seul morceau. Et il s'appelle pas Q et c'est pas une Aston Martin, donc tu la défonces pas son habit. Bon bah je vais faire au mieux. Je me montre poli alors... et tout, oui, en priant pour que ça se passe bien. Alors moi je suis désolé, mais quand je vais le voir en uniforme, je vais prendre en photo. En uniforme. Tu veux vraiment que je te mette dans la merde? Mais non, mais pour l'instant vous êtes pas ensemble, donc je m'en fous. Ok, pas de soucis. Donc ouais, du coup, ouais, on fait ça. Attends, Kukun, tu suis quand même parce que t'es avec Wedge là. Oui, je sais, mais je crains Obi pour après, moi surtout. Mais juste vite fait, moi je t'ai attendu dans la bagnole en fait. Je suis même pas monté avec toi voir ton ouais, non, mais y a pas de souci. De toute façon, je fais ça vite fait, je chope le costume et je reviens dans la voiture. Hein. Je reste pas traîné. De toute façon, on a du taf. Ah, tu prends, tu dis même pas bonjour. Si, bah, je reste deux minutes quand même. Mais je veux dire, je vais pas taper la discute. Qu'est-ce que tu Ah, bah, lui, il la tape la discute, hein. Bah, après. T'es dans la chambre niveau 3, hein. Je veux dire. Ouais, non, bah, si tu veux, je prends un café limite. Mais bon, enfin, je lui fais comprendre clairement dès le début que voilà, j'ai pas trop le temps. On a une journée un peu chargée avec tout ce qui nous arrive sur la gueule. Donc, dès que l'affaire sera réglée, je lui fais comprendre que ouais, je reviendrai vers lui après l'affaire. Mais là, on est en urgence, quoi. Ouais. Par contre, du coup, je prends note pour moi-même de repasser le voir, du coup, après, quand on aura un moment plus calme, déjà. Je te conseille de prendre note pour toi-même à l'écrit, hein, quelque part, sur ton perso. je note pour moi, t'inquiète pas. Enfin, je te dis juste ça parce que, voilà, je le prends pour moi, mais voilà, je te le dis aussi au passage, quoi. Ah, mais moi, je le rappellerai pas, hein. je sais bien. Du coup, Wedge, hein, c'est ça, c'est bien que je me gourre pas de nom. Denis, pardon. Pff, excuse-moi, Denis, du coup. Donc je reviens dans la voiture, du coup je lui dis allez, on y va, on décolle, on est parti. Oh, la dôme. Je rappelle, hein, c'est un vieux taco, hein, ma bagnole. Hein. Je m'en fous. C'est pas grave, fait bizarre. Ça fait plus. Pas faux. Pas pour cette école. Aux deux autres. D'aller au cimetière. Bah du coup comme on n'a pas les micros parce qu'on a donné à Christopher et qu'on va utiliser le canon okay. Bah tu peux non tu peux en avoir un. Moi j'en voulais que deux. Tu peux en avoir un. Au pire des cas de toute façon on repassera après être allé interroger le gars de la sécu, c'est pas grave hein. Ouais, c'est pas alors vrai. Ça tu vas devoir te débrouiller tout seul. T'es pas sur déjà, non mais attendez, vous faites quoi alors les micros là parce que... Bah là je les ai de toute façon, enfin j'en ai au moins deux. Non, c'est... moi ce que je veux savoir c'est qui a combien quoi, combien. Obi il en a un. Nous on en a okay. Deux. Ok, plus, ok. Donc l'immigré en a un. Bon bah tu fais quoi Obi avec ton micro Eh ben Si tu veux le placer sur le cercueil, il faut absolument que tu ailles d'abord à... au funérarium ou chez le croque-mort. Parce c'est pas forcément sur le cercueil que je voudrais le placer. C'est plutôt autour d'une tombe proche de la future tombe de, où il va être enterré. Eh ben dans ce cas-là, t'achètes une couronne de fleurs. Mais je vais faire juste une note à Monsieur Tlon. J'imagine bien quand tu vas récupérer l'enregistrant dans le cercueil, ça va être folklore. Mais voilà. C'est pas la peine de la sortir, celle-là. Alors moi, pour le coup, j'avais plutôt espoir de, ouais, de. Alors, franchement, va chez un fleuriste, tu commandes illico où tu prends la première couronne mortuaire qu'il a à te filer, tu la fous dedans et tu la déposes là où le cercueil devrait être mis. T'es certain que ça va marcher. Bah, au moins de choper quelque chose. Peut-être qu'elle sera pas bien positionnée. Et tu mets juste un ruban marqué regret éternel dessus, comme ça passera encore mieux. Vos cops adorés. Non. Bah. En gros, il me faut deux infos. Enfin, il me faut la première info, c'est savoir où est-ce qu'il va être enterré. Ça, clairement, tu cherches un peu sur internet, tu vas le trouver. Ça va pas être dur à trouver, quoi. Bah, le cimetière en question, je me doute que ça va pas être compliqué. Par contre, voilà. La tombe précisément. Il faut se rendre sur place. Oh bah attends, il faut ce qu'on fait. C'est surtout, il y a pas 36 000. C'est pas comme le samedi des mariages, quoi. Hein. On enterre tous les jours de la semaine et donc t'en as quoi au maximum deux dans la journée. Donc, je pense que. Forte chance que son nom soit marqué sur la tombe aussi. Hein. Ouais, aussi. Et tu regardes tout de suite, parce que vu comment il va être enterré, ça va être en grande pompe funèbre. Oui, je me doute. Attention, non, mais enfin, vous enfoncez des portes ouvertes, les gens. Je me doute que ça va être visible, mais il faut les avoir ces infos. Donc on va y aller, on va les avoir. À la limite, je piquerai une couronne de fleurs qui traîne sur une autre tombe, pouf pouf, et je la mettrai à côté. Et puis voilà.
Moi je serais toi, je l'achèterais carrément, parce que si tu l'as marqué à ma grand-mère regrettée, ça va faire bizarre quand même. Mais l'idée c'est pas de la mettre sur sa tombe à lui, parce que j'en ai rien à foutre, c'est de la mettre sur une tombe qui est juste derrière. Quoi. Ou même à la limite, sous le gazon, hein, ça me suffira. Hein, Attends, si tu le mets juste côté de la tombe, là tu peux, t'as tout le monde, parce que tout le monde va être autour, forcément. Et bah si oui, mais autour, à 3 mètres, et ça fait loin. Mais tu fous ça sur un dépôt de fleurs caché dans les feuilles. Qu'est-ce que tu t'en mets? Bah voilà, moi ce que je veux, c'est quelque chose de... qui soit à l'endroit où le public sera, en fait. Va pour le pot de fleurs plan. Bah ouais, tu l'enfonces un peu dans la terre, personne verra. Hein. Je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord à ça. Il faut le retrouver aussi. Après. Bon. Un petit jet informatique, éducation à un de difficulté pour récupérer toutes les infos, de trouver où ça va être, quel cimetière dans Los Angeles. Cinq, c'est 6, je crois, que j'ai en informatique. Ça devrait aller, hein, mais voilà. Ouais, là, je pense que ça devrait être bon. Ça. Tu m'avances, tu sais pas du tout, c'est... Ouais. Bon, tu trouves même l'emplacement, hein. Donc tu sais quel emplacement il est. Avec d'autres trucs. Et bah du coup... Et tu trouves l'entreprise qui est chargée des pompes funèbres aussi. Ah. Ben voilà. Créma 3000, non je plaisante. Je pense qu'il y a une espèce de fusil de Tchekhov avec ce 3000, il doit y avoir une signification quelque part. Par contre il y a des chances qu'ils soient allemands, hein, les gens de cette boîte. Mais, Non parce qu'ils font pas trop dans le gaz. Ils sont plus champions de bois. Et voilà. Ami Rollis, si tu nous écoutes, voilà, c'est l'humour de merde rolliste, on le savait. Ah, c'est le point Goldwyn, là. Toujours copié, jamais inégalé. Non, mais au moins, ça fera fureur comme humour. Ah bah c'est bon, vous n'êtes pas obligé d'enchaîner, hein. Bon, donc on a les informations qu'il nous faut, maintenant il faut y aller avec subtilité. Salut, moi c'est Sub. C'est ça. Subtilité. Justement, c'est pas avec vous qu'on va aller. Le souci, je te rappelle, c'est que tout le monde a vu nos tronches, et on va aller dans un lieu où ils enterrent un mec qu'on est supposé avoir buté. Oui, après c'est un cimetière, hein, c'est pas Fort Knox. Hein. Non, oui. Mais bon, ça fait mauvais genre, si jamais il y en a un qui nous reconnaît et qui commence à nous essayer de nous jeter des fois sur la gueule. Oui, mais je vais mettre un chapeau, des lunettes, c'est bon, hein. Un impair noir. Oui, en plus. Non, je vais la faire. Je rappelle quand même que le temps, c'est la pluie. Et c'est de la grosse pluie. Hein, donc, de toute façon, dehors, y a pas grand monde qui traîne. Hein. Okay. Voilà. Donc, dans ce cas-là, j'ai une question. Oui. Le micro, il est waterproof? Alors, je vais partir du principe que oui, sinon ça serait vraiment dégueulasse de ma part. Sinon, je mets un parapluie au-dessus du pot de fleurs. Hein. Mais c'est pas toi qui va. C'est pas toi. Alors, on peut se débrouiller pour mettre un sachet congélation, tu vois. Ça suffit largement pour le protéger de l'humidité pendant 24 heures, quoi. Que c'est bon, la pluie, ça va aller. Tant qu'il est pas, il est pas plongé dedans, c'est bon, quoi. Sinon, bon, je suppose que tu m'autorises à avoir dans la garde-robe un impair et une paire de lunettes noires, quand même. L'impair, ouais. La paire de lunettes noires, je sais pas. Oui, vas-y, oui, si tu veux. Bah, c'est fourni par le cops, non hein. Il y a le soleil, quand même. Ouais, vous avez des lunettes via le taf. Manque de bol, c'est des Ray-Ban, en fait. Ça la fout mal, mais bon... C'est des rébans de pacotille, hein. Mais bon, ça suffira. Donc, on se gare loin, on prend une autre entrée du cimetière, on arrive en marchant, en avance, on fout le micro, alors, on se recasse, on attend et on revient. Ça serait ça le plan, normalement. J'ai à peu près l'idée. Ok, je passe aux autres en attendant, parce que bon, qui jouent aussi un peu. Ok, les autres, vous arrivez à la Lomax ? Yep. 2-3 rues plus loin, je le largue et puis je fais bah je t'attends ici. Ah oh bah ça va. Comment il délègue quoi? Vas-y, démerde-toi. Non mais tu veux que je fasse quoi? Sincèrement, de toute façon je là. Je taquine. Là actuellement, t'es seul en tenue pour pouvoir infiltrer l'Omax. Donc voilà.
camoufler peut-être un peu. Moi. Voilà. Mais par contre, si t'arrives à faire à savoir le planning de quand l'autre couillon de la sécurité y sort, ça, ça peut être intéressant aussi. Parce que comme ça, on peut le on peut le choper et puis le questionner. Bah, à la limite, toi, je vais peut-être faire ça en priorité pour qu'on ait au moins à deux, ce serait intéressant. Tu me fais, Monsieur Cocoon. Yep. Alors, je vérifie pour pas dire une connerie. Mais ça va être un jet de éducation, déguisement, avec un de difficulté parce que t'as le déguisement, le bon déguisement. C'est juste pour passer inaperçu. Du coup, déguisement, j'ai rien dedans, donc je mets juste le jet d'éducation. Non, tu fais à 9. Ok. Donc 4, c'est 9, c'est ça ? Mm-hmm. Ouais. Ouf. Oui, bah. Faux. Tout le monde a serré les fesses, là. Bon, si. Je rappelle que vous avez des points d'adrénaline et d'ancienneté. Hein. Pas moi ! Ah si, t'en as un de chaque. Hein. Faut que je les note. À savoir que le point d'adrénaline n'est pas utilisable dans tous les jets. Ouais, mais c'est à en préciser avant, quoi, on est d'accord. Aussi, mais pas... C'est à préciser avant, mais pas toutes les compétences l'acceptent, hein. Ok, vendu pour moi, du coup. C'est plutôt des trucs physiques. Oui, ça le fait, je t'ai dit, il fallait que tu fasses 1, donc ça passe tout juste. Donc, tu passes les grilles de la Lomax. Et maintenant, bah, c'est grand. Là, je me doute, bah, de toute façon, il doit y avoir des plans un peu partout. T'es dehors. Et alors ? T'as passé l'enceinte. Tu as pas... Y a pas... Non. Oui, mais il y a bien un grand bâtiment, genre avec un secrétariat et... Oui, mais tant que t'es dehors, t'es pas dans le bâtiment, quoi. Donc... Bah, il va jusqu'au... Je pense que ce qu'il essaye de dire, c'est qu'il se dirige vers le grand bâtiment. Ah, mais je sais pas, moi... Si, c'est ce que je dois dire. Il y a bien... Enfin, il y a un grand bâtiment, j'y vais, je vais choper un plan ou une connerie, de toute façon. Il doit bien y avoir ça au bâtiment principal. Alors oui, tu trouves... Il y a des plans d'évacuation. Ok, d'accord. De toute façon, y a noté du coup à quoi ils correspondent au niveau des ailes, etc. Alors, t'as. Oh, c'est mignon comme petite musique. Bah oui, il est dans la Lomax. Alors, la Lomax, que je retrouve le truc. Donc, bah de toute façon, en plus, le plan, tu l'avais déjà, mais. Ouf. Donc, je rappelle donc, que le campus fait 3 pâtés de maison. Il y a une bibliothèque, un bâtiment administratif, un bâtiment pour les salles de cours, un auditorium, un musée de l'école, un gymnase, 5 maisons d'étudiants, dont une pour filles, un réfectoire et une maison pour les gardiens. Bah, écoute, et sur le plan, chacun des bâtiments est noté par une lettre. A, B, C, D, etc. Bah ouais. Écoute, je repère celle où c'est la maison des gardiens, c'est pas là, 1-2-1-2, je vais au niveau des gardiens, et j'imagine que juste à l'extérieur de la maison avant l'entrée, doit certainement y avoir le planning du coup, on sera ouvert de telle heure à telle heure. Hein ? Je dis, pour contacter les gardiens... Cherche quoi, dis-moi, parce que me dis pas ce qu'il y a, dis-moi ce que tu cherches. C'est très énervant en fait, que tu me dis, tu fasses la réponse à ma place. Non mais c'est une question d'affirmation, je veux dire, c'est... Oui mais justement. Excuse-moi. Est-ce qu'il y en a du coup ? Quoi ? Je te demande, qu'est-ce que tu cherches ? Je sais pas moi, tu me dis tu vas devant le bâtiment. Oui mais c'est une maison de gardien. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui est derrière et qui te regarde quoi. Il y a une grille à l'entrée de la maison de gardien. D'accord, ok. Ouais, c'est chiant ça. Parce que je pensais qu'il était plutôt sorti. Attends, merde. Et quand tu vois la maison de gardien, c'est une grosse maison. Et a priori, il y en a plusieurs qui doivent loger ici. Mmh. Ce que tu remarques aussi, c'est que le campus est pas mal surveillé par des caméras aussi. Ah, oui, d'accord. Oui, tu nous avais dit ça la dernière fois déjà. Oui. Ouais, ça rigole moins déjà. Parce que dans l'idée, moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est pas. C'est essayer de choper de l'extérieur, du coup, sans trop adresser la parole au gars, des horaires, quoi. Ben, les horaires auxquels c'est ouvert, du coup, et on peut s'attendre à ce que le gars sorte plus tard. Alors, si tu cherches des horaires, le truc, c'est que, en fait, sur la guérite, c'est marqué qu'il y a une permanence, en fait.
C'est-à-dire que c'est H24, sauf le dimanche où c'est où il y a pas de, il y a personne qui c'est fermé quoi. Ouais, donc techniquement ils ont leur jour de congé que le dimanche quoi. Alors c'est pas qu'ils ont leur jour de congé, c'est qu'ils font pas de permanence à l'accueil. Et du coup ils font quoi, ils restent patrouillés ou ils restent, enfin ils restent à l'intérieur, comment ça se passe? Bah t'en sais rien. Ok. Je veux dire, t'en sais rien, c'est des gardiens, c'est... Il y a plusieurs gardiens qui vivent ici. Mmh. Après, tu t'en sais pas plus, tout ce que tu sais là actuellement, c'est qu'il y a une permanence à l'accueil, dans l'espèce de guérite, pour les jeunes en fait, pour les étudiants s'il y a un problème quoi. Donc qu'ils puissent tout de suite les contacter. Moi ça m'emmerde un peu, parce que du coup si je vais... Et il y a un numéro bien sûr de téléphone, c'est pour les moments où ils sont pas là. Ouais. Limite, ouais, faut que je... Enfin, attends... Pardon, excusez-moi. C'est fait. Merci. Limite, moi, je t'appelle, Denis, du coup, pour tenir informé de ça, au niveau au moins de ce que j'ai réussi à en retirer. Et bah, pour te dire, du coup, moi, ça m'emmerde un peu d'y aller de but en blanc pour demander, du coup, tel gars, s'il sort à tel... Enfin, ses créneaux horaires, ça fait un petit peu louche, quand même, de demander les horaires d'un seul gars, s'il y en a plusieurs qui tournent. Ouais, mais bon... du coup, bah, moi, je vais essayer de me placer un peu mieux avec la bagnole, quoi. C'est-à-dire ? C'est-à-dire avoir une visibilité sur comment sur l'entrée. Okay. Parce que alors comme je dis, il y a deux entrées principales et enfin. Le campus est entouré d'un mur d'enceinte de 3 mètres hérissé de barbelés, doté de deux accès protégés par une simple barrière le jour et un portail massif la nuit, au nord et au sud. Ouais, du coup, en fait, là, t'es... Et à chaque portail, il y a un gardien, actuellement. D'accord. Il est à quel... Ouais, mais attends, mais ça veut dire que... Vu qu'il est devenu chef de la sécurité, il n'est pas simplement gardien. Ça veut dire qu'il n'est pas dans les guérites, donc... enfin, dans ce que j'appelle une guérite. Ils sont peut-être en administratif, du coup ? Ah oui, il serait plus dans le bâtiment administratif. Ouais, j'aurais pensé qu'il restait plutôt là-dedans, justement, avec les collègues. Ouais, quoi, ça me donnerait que ce soit ce côté administratif. À la limite, en tout cas, tu es en train de parler au téléphone avec ton collègue et tu vois le chef de la sécurité, donc le monsieur que tu cherches, sortir d'une des portes de la maison des gardiens, s'étirer et puis commencer à partir. Il fait pas gaffe à toi, il part faire je sais pas une ronde ou il part à pied quoi dans le campus. Sur un parka, hein, parce que il pleut toujours. En faisant gaffe du coup de pas parler près de lui pour pas me faire trop griller non plus à causer à propos de lui, bah du coup je te le signale, Denis, mais quelle entrée? Hein? Quelle entrée? Quelle entrée? Bah il part juste pour l'instant, oui, et bah il commence à décoller quoi. L'entrée sud ou l'entrée nord de... Il est dans le campus toujours. Oui oui, il est toujours dans le campus, je suis d'accord. Il est plus proche de l'entrée sud, si c'est... Voilà. Voilà, bon bah je vais me placer sur le bâtiment de l'entrée sud. Et file-le. Ah bah je le suis de loin quand même quoi, mais c'est vrai que c'est un peu chiant quoi, parce que là je vais peut-être pas l'alpaguer comme ça direct. Non. Bah, il a l'air de marcher vers l'entrée sud. Bah écoute, je le suis à distance et puis je vois ce qu'il fait. Ah il tourne, en fait il tourne entre les guérites pour voir et si tout se passe bien. Il va parler au gars qui est à l'entrée sud, au gars qui est à l'entrée sud, il tape la discute. Est-ce qu'il y aurait moyen de faire un peu de grabuge de l'extérieur pour le faire pour l'encourager à sortir, un truc comme ça? Ça sert à rien, faut... Il est... alors, je veux pas être chiant, mais c'est quoi votre objectif, en fait? C'est ce que je me demande aussi, hein. Le questionner. Bah, allez lui parler, putain, si vous voulez lui questionner, Dans ce cas-là, en fait, il faudrait que Cocoon fasse déjà la pose de micro, et... Parce que s'il va le questionner, il va se faire virer, clairement. Bah c'est pour ça, c'est ça qui m'inquiète, parce que si j'y vais bourrin et le mec va me reconnaître et puis il pourrait me faire virer direct quoi, donc ce serait grave. Tu te fais passer pour un étudiant qui fait un article sur le nouveau chef de sécurité, puis voilà. Sans papier, sans bloc-notes, ni rien. Bah tu prends, t'as un téléphone. Ouais. Tu l'enregistres. T'as des micros sur toi en plus, qu'est-ce que tu m'emmerdes. Passage de l'autre côté pour que ça vous réfléchissez. C'est pas trop le coup des micros. Denis, voiture 2 du coup pour en discuter tranquille pendant qu'ils font leur micmac. Non mais c'est pas voiture 2, je passe à l'autre aux autres joueurs là. Oui non mais je sais, mais pour eux ils proposaient d'aller dans les salons voiture. Ils veulent réfléchir entre eux. Non, y'a pas de soucis. Ouais, c'est un petit peu consanguin mais ça va aller.
Ok. Donc, bon. Nous disions donc que le plan tel que nous le voyons était, on se pointe là tôt, avant que ça commence à... Enfin, avant qu'il commence à arriver, ouais, avant qu'il y ait Pépé Mémé qui vienne nous visiter. Voilà, ce qui fait qu'on a largement le temps de prendre le pot de fleurs, de mettre le micro et de se barrer. On prend un café dans un coin en attendant une demi-heure, une heure, et on se repointe incognito. Et tu payes les cafés. Mais c'est demain, hein, l'enterrement. Hein. Ah ouais, tu veux carrément faire ça la veille, toi. Ah bah oui, bah, pour avoir moins de soupçons, quoi. Dans tous les cas, vous arrivez parce sur que... place, comme vous avez, parce que vous êtes parti sur place. Hein, oui, forcément. Sur place, donc comme je disais, il pleut à torrent toujours, il fait moche et tout. Et actuellement, bah en fait, vous arrivez, vous voyez qu'il y a des mecs qui sont avec une grosse pelleteuse et qui c'est là où il y a où il devrait avoir la place et qui sont en fait en train de creuser la tombe en fait. En fait, ouais. Préparer quoi. Bah on va aller en fin de matinée et que je... On ouais. Va aller rendre hommage à la mémé qui est à côté dans la tombe d'à côté. Hein. Oui. Ouais. Alors en gros, est-ce qu'on a une idée de comment on va disposer les gens en fait autour de cette tombe? Je suppose coup, qu'ils vont être là, parallèles. Faire des travaux, t'as aucune idée sur le coup. Fais-moi un jet d'éducation pure. Bah, c'est même que l'informatique, alors c'est cool. Mais, Ouais, non, c'est pas lié à l'informatique, c'est sur 6. Donc. Oui, mais c'est le même. Ah, oui, ok. clairement, là, vu où ils en sont dans les travaux, ils vont sûrement demain matin en fait installer tout ce qui est chaises et autres autour. En fin de journée, ils vont sûrement juste avoir fini, enfin, au milieu de journée, vu le plan qu'il fait, ils auront sûrement fini de creuser la tombe et tout. Et il n'y aura plus personne dès le milieu d'après-midi autour. Et il y aura de nouveau du monde le lendemain matin pour préparer. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir les ouvriers et je vais faire. Excusez-moi, vous êtes en train de creuser une tombe, machin truc, et vous êtes à proximité de la tombe de. J'aurais lu un nom avant, hein, de bébé mémé, d'un frère, voilà. Garner, hein, par exemple. Voilà. Et on aimerait déposer ce truc de fleurs, cette gerbe de fleurs et ce pot machin truc. On voudrait pas que ça gêne à votre installation. Est-ce que on a peur qu'il soit cassé? Est-ce que vous allez le déplacer parce que c'est un peu lourd, fragile, tu vois? Un peu je. Parce qu'eux, ils doivent le savoir, où est-ce qu'ils vont installer la tribune. User joined your channel. Je suppose. Enfin, les gens. Ah, tu peux, hein, de toute façon. Bah, c'est ce que je vais faire. Hein. Ok. Je te le fais hors roleplay, pour le coup. Tu me fais juste un petit jet, je dirais, de séduction, pour le coup. C'est quoi, c'est charme... Charme... C'est quoi le truc? Ouais, charme, tout court. Enfin, c'est plus... Non, ouais, c'est... Comment j'ai charme? Ça va. Oui, en effet. Non, mais les ouvriers, oui, non, mais y a pas de souci, on n'y touchera pas, on le laissera là où vous le laissez. Et s'il faut, on le remettra en place si on doit le déplacer. Et donc, vous allez le déplacer? Bah, si on doit le déplacer, on le remettra en place. Mais si c'est sur une autre tombe, il dit que normalement, ils y toucheront pas. Ah, mais moi, la question que je veux savoir, c'est est-ce qu'il y a un risque ou pas que ça soit déplacé? Parce que sinon, bizarrement, on va avoir un autre parent qui est de l'autre côté, tu vois. Alors, eux, ils te disent ça, que normalement, non. Il sera pas déplacé, mademoiselle. D'accord. Bon, bah, du coup, ok, bon, on va les laisser travailler un petit peu, et quand ils nous auront oublié, on décalera peut-être le... Ok, on repasse de l'autre côté. Qu'ils soient au milieu du truc, machin, mais, voilà. Bon alors. Alors, du coup, dans l'idée, moi ce que je compte faire, du coup, bah, je vais y aller à la discrète, du coup, je vais aller vers le gars de la sécu, une fois qu'il a fini de causer avec l'autre, là, du coup. Et dans l'idée, ce que je compte faire, c'est me faire passer du coup pour un étudiant un peu timide, du coup, histoire de fixer bien mon portable qui me grille pas trop au niveau de la gueule, tu vois, que je le fixe pas trop. Et De toute façon, il pleut, il y a. Dire, pour l'instant, là, t'es sous la pluie. Hein, ouais, bon, quel. On part. Justement, je vais utiliser cet argument-là en lui disant que voilà, je suis en train de faire un article du coup sur justement comment fonctionne le campus, etc., pour intéresser les élèves, pour leur expliquer aussi comment ça se passe. Alors, attends, tu vas le faire RP. Oui, ouais. Attends.
Bon. Non, mais au moins j'explique déjà comment ça tu se passe. Essayer, tu veux, est-ce que tu veux essayer de le faire RP ou pas? Parce que c'est pas la peine de m'expliquer 5 fois, on va le faire. Dans l'idée, moi ça m'arrangerait hors RP. Bon, dis-moi hors RP. Donc voilà, c'est donc là je lui mitonne un truc comme quoi là, je fais partie du journal du campus, blablabla. Que je vais prendre des informations sur lui, sur comment bah comment il s'organise aussi les gardiens, donc bah autant m'adresser à lui vu qu'il est chef de sécu. Et vu le temps moisi, du coup je lui dis on va peut-être pas le faire là, le truc si possible, s'il a un créneau pour moi, genre je l'invite à prendre un café, un truc comme ça hors du campus, histoire qu'on discute ça tranquillement. Voilà, c'est. Alors, dans l'ordre. D'abord. Yep. Tu veux lui poser des questions, mais tu veux les poser en dehors du campus avec lui. Ouais, dans l'idée. Tu me fais un jet, alors ça va être quoi ça va pas être charme, clairement. Ça m'arrangerait. Ça va être éducation, et ça va être rhétorique. Ou éloquence, si ça t'arrange. Mais clairement pas intimidation. Voilà, deux. Ok. Alors lui, il te dit, oh, on va se mettre à l'abri dans le musée de l'école. C'est à côté. Là où vous êtes. Je vais passer. Dans le musée, limite, je serais plus pour le, enfin, pour l'inciter un peu sur le fait de boire un café, tu vois, pour le forcer à sortir, quoi. Ah bah, attends. Il t'amène au réfectoire. De toute façon, il va, dire avec le truc que t'as fait, je te dis, je vais pas sortir. Ah ok, d'accord. Ça, ça m'emmerde un accept. Peu. Accept. Ah, merde. Donc, merde. Réponds à tes questions. Ouais. Ah, tu m'as dit que tu le faisais en roleplay, donc j'ai pas... Oui, non, mais ouais, ouais. Donc, les questions, qu'est-ce qu'il te dit? Il dit que bah on est 5 gardiens. Ouais. Plus lui. Donc 6. Que ils essaient que ils sont il y en a toujours quand en journée, il y en a toujours 2 qui sont aux grilles. Et 2 ou 3 qui patrouillent suivant s'il y a des permanences à faire à Guérit. Mmh. Et que si besoin, il faut pas s'inquiéter mais on patrouille avec des chiens entraînés. Mmh. Donc il y a toujours au moins 2 ou 3 gars en service. Dans tous les cas, on est disponible pour tous les étudiants. Oui, bien sûr. Il a l'air extrêmement apaisé et heureux d'être là. Ouais, tu m'étonnes, il a dû avoir une grosse merde, il a réussi à s'en sortir, il se croit à l'abri. Et je vous ai pas déjà vu quelque part? Bah, non, pas du tout. Il dit ça souvent. Ouais, j'envisage très commun. Bah du coup là vu qu'il commence à s'intéresser je voilà je trouve un enfin comment dire je lui balance une banalité et puis je m'en vais quand on le remercie. Si ça passe, bien entendu. Ok, ça vous va ou pas pour Bah là pour l'instant non, j'aurais bien aimé l'emmener dehors pour le foutre. Eh, moi j'aurais bien aimé savoir comment il a fait pour arriver là, parce que il est nouveau sur le campus hein. Le mec ça fait un jour ou deux hein. Malheureusement. Moi c'est non, ça qui m'intéressait. Bon, là, ouais mais le comment il justifie son arrivée quoi. Les questions plus directes, j'aurais bien aimé les poser dehors, tu vois, une fois que j'avais Denis avec moi, quoi. Bah, ça me semblait assez logique de pouvoir lui poser des questions. Oui, mais tu pouvais questionner dans genre, qu'est-ce que vous y avant, parce que ça fait pas longtemps que vous êtes là et compagnie, quoi. Ouais, mais s'il a vraiment une crasse, comme je pense, dans les bagages, il l'aurait pas sorti comme ça. Il aurait fallu mettre un peu plus de choses. Non, mais ça aurait été intéressant d'avoir sa version politiquement correcte, en fait. C'est ça. Pour savoir le mensonge qu'il allait sortir, quoi. Ouais. Parce que dans chaque mensonge, il y a une part ça de jeu. Bah ouais, mais après là, le truc c'est que vu qu'il commence à se douter, avant de me faire cramer, je préfère quand même me mettre c'est pas en grave, quoi. C'est pas grave, des stress. Ah non, mais bon, je sais bien, mais bon. Tu fais quoi? Tu te bats dans le campus tu vas vers les maisons d'étudiants, tu fais quoi? Bah là pour l'instant je me balade, du coup j'essaie de voir ce qu'il peut... Enfin, ah, ok, j'ai la perception. Ouais. Dieu, tu peux même frotter ton sexe contre les murs de l'université. Ça peut être rigolo. Sauf si tu sais prendre. Voilà. Parce que là, ça va plus être drôle pour toi. Allez, essaie ouais, encore, tu peux le faire. Tu peux recommencer. Tu peux me rappeler avec quoi c'est du coup 4 c'est quoi? 4 c'est 9 quoi? 6. 6, ok. Ça va. Ça va. Donc,
Ce que tu remarques, c'est que on est quelle date c'est que la plupart des étudiants ne bah quand il pleut, bah ils sont pas dehors, hein. Y a pas beaucoup de monde déjà dehors. Ah bon. Eh ouais, c'est étonnant. Tu remarques que les maisons d'étudiants bah sont gérées par des groupes. Mmh. Des comment s'appelle merde, des ah, j'arrive pas trop. Des castes quoi, des clans quoi. Des confréries. Ouais. Confréries. Ouais, des confréries exactement, voilà, c'est le bon mot. Merci. La première syllabe est parlante. Tu remarques que les étudiants ont beaucoup de respect pour la plupart des gens qui sont qui ont une écharpe professorale. Ouais. Et qu'on tendance à bah c'est pas je vais pas dire à s'incliner mais pas loin quoi. C'est voilà. Ce que tu remarques aussi c'est que tu vois bien tu remarques un des gardiens qui se bat avec un gros chien bien massif. Ouais. Donc et on peut pas y aller à la bourrin avec eux, quoi. Bah, ça dépend, hein, tant que tu te fais pas gauler. Ouais. Dans tous les cas, tu regardes un peu, qu'est-ce que tu vois d'autre? Ah oui, t'as le jardinier. Mmh. Qui est en train d'engueuler un jeune, parce qu'ils arrêtent pas de se tripoter dans les caves, qu'ils sont en train de salir ces arbres. T'as remarqué qu'il y avait des arbres, en fait, je te rappelle que le gazon est synthétique, toute la végétation est synthétique, à l'exception d'arbres qui sont sous serre, chacun des arbres sont sous serre. D'accord. Et il gueule parce que, voilà, le mec il a pas lancé sa clope sur la serre, ça fait une marque, il a l'air bien de pester. Et t'as l'air de voir que l'étudiant, il aimerait bien pas être là et ça le fait bien chier. Ok. Voilà. Qu'est-ce que tu remarques d'autre? Que c'est un putain d'endroit de gros riches. T'es clairement dans ton élément. Tu m'étonnes. À la limite, ouais. Un petit peu fois, mais ça m'énerve parce que du coup, ouais, ça va être dur à sortir le chef sécu là. Alors, est-ce que tu peux aller voir les étudiants en fait, voir si les gars qu'on a coffrés sont toujours là, qu'est-ce qu'ils font Justement, je me posais la question du coup, si le gars est en train de se faire engueuler, vu que moi je suis un peu plus âgé, du coup, il y a moyen, je pense, que je me fasse passer pour un élève un peu plus. Comment dire, attends, j'ai une question. Au niveau des confréries, quand tu fais partie d'une confrérie, t'as le fameux polo là avec. Comment on appelle ça? Merde. Alors, vu la pluie qui tombe, là, t'en sais rien. Mis là, il y a un truc dessus ou pas? Non. Truc de l'école. À la limite, ce que je peux faire, c'est me faire passer pour un gars de sa confrérie, du coup, et puis le prendre sous mon aile, quoi, pour qu'il me rende service plus tard. Justement par rapport à certaines informations qui pourraient me refiler derrière. Ok. Est-ce que crois que ton plan va marcher? Ça pourrait, ouais, parce que surtout avec le temps de pluie, machin, le jardinier fera pas gaffe à moi. Donc si je lui montre que je vais le rouspéter et que en fait non, c'est juste pour le tirer de la merde et je pense qu'il sera content. Mais c'est le jardinier qui est cool à mon avis. Hein. Qui est quoi? C'est le jardinier qu'il faut aller voir. Bah, ça dépend, parce que l'élève peut m'apporter 2-3 renseignements, tu vois, alors que le jardinier, je suis pas sûr qu'il puisse savoir grand chose sur certains. Enfin. Bah, à mon avis, c'est un vieux de la vieille qui connaît l'établissement par cœur. Il en a ras le cul de se faire piétiner par des connards de jeunes, d'étudiants. À mon avis, c'est à lui que tu peux le. T'as un biais pour le. Si je fais mine de passer un savon à l'étudiant et que je le prends avec moi, techniquement, je rends service aux deux. Peut-être. Mais bon, l'étudiant, c'est un putain de junkie qui rêve que de mettre sa langue dans sa copine, c'est bon quoi. Bah attends, on n'en sait rien pour l'instant, juste... À mon avis. Ouais, Obi, il est violent. Bah je pense tester ça du coup et voir... Ok, attends, je vais passer un peu aux autres. Vas-y, je reviens. Wedge, dans ta voiture, tu t'emmerdes, qu'est-ce que tu fais? Bah... J'écoute rire et chanson. Non mais je suis retourné sur la partie sud sur la porte sud. Ouais. J'essaie toujours de voir s'il passe ou autre l'autre, mais bon, sud, nord, je suis tourné entre les deux quoi. Il y a la pluie. Il y a quelqu'un qui tape à ta vitre. Ouais. Ah, j'étais sûr c'était vous. J'adore ce que vous faites. Je peux prendre un selfie?
Bonjour. J'aime beaucoup ce que vous faites. Vous êtes un exemple pour la société. Tu ouvres en photo ? Non. Et il a sorti son téléphone. Fais gaffe, il risque de la prendre sans demander ton avis. Ah ouais, donc... Si, il a demandé son avis. Mais oui, oui. Oui, mais là, je viens de faire... Non. Ok, il la prend. Non, mais c'est je mets la main devant le visage, quoi. Je fais non. Ok. Ah, je fais non. Et je le regarde, et tant qu'il a son téléphone en main, ma main est devant le visage et puis... Allez, monsieur, c'est pour mes enfants. Toujours pas. Je comprends, vous êtes si incognito. Vous surveillez les jeunes riches d'à côté, hein, c'est ça. Clin d'œil. C'est ça, ouais. Oh putain. Oui, voilà, c'est... Ouais, oui. Mais qu'est-ce qu'ils vous ont fait? C'était sûr. Tu vois qu'il a pu, qui range son portable dans sa poche et qui s'en va. Mais pourquoi vous me dites ça, monsieur? Parce que maintenant il en est sûr. Et surtout qu'il t'a enregistré. Oh, yeah. Oh merde! Non. C'est pas une photo qu'il prenait. Ah, ça c'est bâtard. Oh putain, je sors mon africaner, je lui tire dessus, je m'en fous. Putain. Reviens là, petit con. Pendant ce temps, tu peux essayer la méthode Guillermo, c'est tu démarres et tu lui roules dessus. Non mais je le rattrape et puis... T'en sais rien, c'est moi qui te l'ai dit. Oui. Techniquement, t'en sais rien. T'as rien vu, hein, t'as rien pipé, hein. Je te l'ai dit juste pour te faire criser, mais t'en sais rien. J'aurais dû attendre et lui faire enregistrer, enfin réécouter le truc plus tard, tu vois. Oui, mais non, je voulais le faire réagir maintenant. Okay. Non, mais de toute façon, je tourne dans genre, tu sais, je reste 5 minutes à un endroit, puis je tourne à l'autre porte et ainsi de suite. Hein. Y'a pas de soucis. On repasse aux deux autres. Dites-moi. Moi. Bien. Vous avez gagné un XP. De toute façon, nous on a posé notre fleur, on a eu tout ce qu'on... On t'entend plus ? On a posé notre fleur. Ouais, et après ? Bah, du coup, on va se casser. On va partir, parce que de toute façon, l'enterrement c'est demain, donc... Donc, je pars du principe que le micro est posé, entre guillemets, au milieu du bouquet, et l'enregistreur est au fond du vase, quoi. Ouais. Oui, quelque chose comme ça, ouais. On soit d'accord. Raconte que quelqu'un arrose. Mais bon. Non, je ça m'étonnerait, il pleut. Il faut pas arroser quand il pleut. Oui, en même temps, techniquement. Bon, okay. Donc, faites quoi après? On va rentrer, hein, parce qu'on n'a plus rien d'autre à faire. À moins que Lynn ait envie de faire quelque chose, mais. Pour l'instant, on va juste attendre. Okay. Je vais laisser Monsieur aux deux autres et leur demander comment ça se passe. Enfin, à Wedge, enfin à Denis. Bon, aux deux, non, parce que l'autre, il est peut-être encore à l'intérieur, du coup, je vais peut-être pas le... On retourne à... S'il en fait de suite... Il y a quelque chose qui vous attend au poste, vous avez un SMS pour vous dire qu'on a attrapé un des potentiels chefs de gang. Ah, des gangs. Ah. Ouais. Oui, on va l'interroger dans l'après-midi. Sachant qu'il doit être 13h là, alors qu'il est maintenant. Bon. T'avais pas demandé est-ce qu'il y ait plusieurs des chefs, justement On t'a dit qu'ils feront ce qu'ils peuvent, hein. Oui. Donc, retour à la Lomax. Yay. Youpi. Le mec, il bat depuis 5 minutes. Bon, ok. Maintenant. Je fais ce que j'avais prévu, du coup, là, comment dire, choper le, comment dire, me montrer, on va dire, en tant qu'élève un peu doyen, quoi, du coup, un peu plus âgé, genre 5e année, tu vois, et puis bon, voilà. Ok, je te le fais en roleplay, là, par contre. Ah, ok, d'accord. Ah ouais, non, tu peux pas passer, tu passeras pas à côté. Ok, pas de soucis. Donc, y a le jardinier qui est là. Écoute, espèce de petit con, j'en ai marre des jeunes là qui pourrissent mes serres. C'est de ta faute, tu vas voir, je vais t'amener directement
on garde la en détention et ça va être pas ça, ça va le faire. Je m'approche de lui, du coup je lui mets un petit coup de poing dans l'épaule. J'ai qu'est-ce que t'as fait encore toi? Là t'as un blanc en fait là, les deux ils te regardent mais. Mais je lui fais un clin d'œil, enfin j'essaye de lui faire un clin d'œil discrètement pour pas que l'autre y regarde, ouais. Tu vois, enfin de l'œil ouais. Le plus éloigné. Et un blanc, hein, pas un noir. Hein. Ouais bah fais-moi un jet de éducation éloquence là. Il peut faire en intimidation. Yeah. Non il pipe rien. Fais mais t'es qui toi? Tu m'as croisé 15 fois dans les couloirs de ta confrérie, mais à part ça, tu retiens toujours pas ma gueule. Je regarde le jardinier histoire de passer la main, du coup. Qu'est-ce qu'il a fait, du coup, celui-là encore? Mais qu'est-ce que tu te mêles là? Oh, je vais l'amener directement au principal. Merde. Merde. Et le jeune, il te tend la main. Il me tend la main? Ouais, bah, comme pour dire bonjour. Ok, bah je lui serre la main, ouais. Ok, il dit que t'es pas de sa confrérie. Ah putain! Ah bah, bon. Ah bah t'as raté ton jet, il te croit pas, donc il teste, hein. Bah, ouais, bah après c'est pour l'aider, hein. Ah ouais, c'est con aussi. C'est pour l'aider, mais tu lui mens, donc je veux dire, c'est... Dans tous les cas, le jardinier est en train de le traîner vers le bâtiment administratif. Merde, abruti. Bon. Ah c'est con ça parce qu'en plus j'avais des jets de connaissances à la limite j'aurais peut-être pu faire ça. Bah tant pis ça aurait dû être fait avant ça. Il y a rien d'autre du coup. Ouais, bah non et le reste que tu m'avais dit il y avait rien de spécialement. Alors, peut-être que tu peux considérer que le cop c'est mieux sans toi à partir de maintenant mais je dis ça j'ai rien. T'es méchant. Oh putain. C'est pas grave, je vais prendre un repos pendant un mois, du coup je vous laisserai tranquille. Mais non. Bah on a besoin de toi parce que s'il y a pas 4 joueurs, on joue pas la partie, alors du coup voilà, mais Je vous trouverai un mode de remplaçant, c'est pas grave. Mais non. T'es sérieux ou c'était juste pour déconner? Moi c'était pour déconner, hein. Bah moi aussi, mais... Enfin... Non, je pense que lui aussi c'est pour déconner. J'espère. Mais il répond pas. Non, je laisse traîner le suspense en fait pour emmerder Obi, mais bon. Donc, c'est plus moi que t'emmerdes qu'Obi, hein, je te le dis tout de suite. Parce qu'avant d'emmerder Obi, hein, faut aller loin. Du coup, Denis, je t'appelle en disant putain. Moshi. A priori, c'est un cri de détresse. Donc voilà, ouais, je t'explique rapidement la situation qu'il y a un débile qui a pas capté que je vais essayer de le ressortir de le rendre service et que du coup, ça me fait chier. Enfin, je gueule moins histoire de pas me faire repérer au cas où. Hein, c'est toujours sur l'appui, hein. Ah, ça m'emmerde cette histoire. Bon, bah écoute, ouais, bah du coup, quoi. Tant pis pour le jardinier et pour le couillon là. Tu remarques un truc. Mm-hmm. C'est que t'es tellement resté sous la pluie, de Norwalk, qu'il y a une partie des vêtements que t'as sur toi qui commence à. Oh putain, à être attaqué. Attaqué. C'est des plus acides, hein. Ou... Ah, c'est normal, gars. Pourquoi tu crois que le gazon, il est synthétique? Je cours me mettre à l'abri. Fais chier, pays de merde. J'aurais dû rester à Los Angeles. Je m'en fous, je suis reparti. T'es à Los Angeles. Oh, oui. Bon. Pendant ce temps, dans la voiture. Plic, plic. Des gouttes de sueur, non? Non, c'est gouttes d'eau. Des gouttes d'eau sur le verre. Sur le verre. Bah, après, je suis en communication avec Denis pour lui expliquer la situation, mais à part ça. Denis, au secours! Ouais, qu'est-ce qui se passe? Tu veux que je te sorte de là? La malice. Non! Viens désinguer ce putain de chef de la sécu! J'en ai marre, il me saoule. Il veut pas sortir de ce truc. Ce serait avec un grand plaisir, mais de toute façon, est-ce que je le vois de temps en temps ou pas? Non, parce que le truc, comme dit, il meurt de 3 mètres. Tu l'as juste vu quand il t'avait dit qu'il s'était approché de la partie sud. Ouais. Puis depuis, tu l'as pas revu. Ça va faire 2 heures que tu l'as pas revu, là. Ouais, putain, il me faut 2 heures pour discuter avec un jardinier et faire le tour de 3 pâtés de maison. Il parlait lentement, bah... j'y peux rien. Non, il y a un moment où il a traîné dans le campus, je te rappelle. Je l'ai suivi, ah ouais. Et c'est là que t'as crié, putain. Ouais. Non, désolé.
Dans tous les cas, t'as bien en tête le campus là, hein. Surtout la partie extérieure. C'est bien. Hein. Bon, après, est-ce que par exemple, tu peux localiser des entrées discrètes pour nous un jour avec les grands murs là et tout et les gardiens qui patrouillent. Je suis pas sûr. Bah, je peux toujours vérifier, remarque, mais. Bah voilà. Tu peux regarder avec cette optique là. Bah maintenant que je connais bien le campus, grand chef, est-ce qu'il y a une entrée mystérieuse? Je t'ai fait les jets de perception. Genre, mystérieuse, il y en a peut-être une, mais peut-être pas, peut-être que tu vois pas. Mais il faut d'abord que tu appuies sur les bonnes dalles, comme ça, ça fait un escalier, et puis ça t'amène dans un autre portail et que. Non, n'importe quoi. Si tu veux, pour les faire péter les passages. Par exemple, un endroit où le mur est peut-être pas trop visible par les caméras, parce qu'il y a un arbre, ce genre de choses. Si tu cherches des zones entre ce qu'on a, je vais appeler des zones blanches, en gros des zones qui sont pas sous les caméras, t'en trouves. Hein, mais il y a toujours ce putain de mur de 3 mètres avec des armes. Mais des endroits où passer pour atteindre plusieurs bâtiments, il y a moyen. Disons que vu le temps que tu restes dedans, tu peux prendre note en gros de tout ça, quoi. Okay. De la même façon, si t'as envie de prendre note des allées et venues des gardiens, tu peux. Hein. Bah, quitte à être là, ouais, autant, ouais. Je vais faire ça aussi. Okay. Michael ? Non ? Attends, Denis. Ouais. Quitte à être là. Pendant ce temps, toi, tu fais quoi ? Parce que franchement, pendant qu'il fait ça, t'as rien à faire là pour le coup. Bah, j'ai rien à faire, c'est que bah, moi, je peux, quand il est au téléphone avec moi, je peux lui dire bah, hey, ce que tu fais, c'est que tu cherches là où dorment les deux autres là qu'on. Pas le fils du... Ouais, pas le fils et la fille... pas le fils de celui qui est mort et ouais, la fille, mais voilà, les deux autres. Je cherche les chambres de ces deux-là. À mon avis, ça doit être à tous les coups la même. Et résultat des courses, tu poses un micro. Ouais, c'est vrai que moi j'en ai encore. Hein. Bah écoute, quand j'ai fini de noter mes les allées et venues, machin, je vais m'occuper de ça après. Pendant ce temps, au central. Mm. Ah, vous voilà. Ben, oui, c'est voilà. Sniper qui vous parle. Ah. Je vous ai trouvé un petit gars sympa qui est là-bas là. C'est lequel? C'est qui ce petit gars sympa? Alors bah, faut savoir que c'est ce gars-là. Il a volé des voitures, il a mis quelques putes sur le trottoir, et des fois il vend un peu de drogue douce. Il s'appelle Nestor. Nestor. C'est le chef des Mesa. Donc, il est actuellement, on l'a amené ici et on a réussi à avoir un petit mandat d'arrestation, bon, qui est pour pas grand chose. Alors, pas pour la détention de drogue, malheureusement, mais parce que, des clients ont porté plainte, soi-disant, sur les filles, etc. Et son nom a été cité, donc on l'a convoqué. Bon, le problème, c'est que l'interrogatoire. Il est fini, mais bon, il est pas encore au courant, il est toujours dans sa salle d'interrogatoire et il attend. Oh, on le fait mariner. Bon, vu que c'est moi qui dois l'interroger, je vais prendre ma pause, je vais prendre mon déjeuner. À plus tard. Ok, bonne pause. Et puis, vous le laissez tranquille, hein. Et puis, il s'en va. Ah oui, c'est bon. C'est pas comme si on allait en profiter. Oh non. Je sens que le mec va arriver avec le tonfa dans la salle. Bonjour. Et puis il y a un tas de snipers qui ressort et qui fait faites gaffe hein, parce que bon les caméras les caméras de la salle de la salle où on a mis elles sont toutes éteintes, il y a un problème de maintenance dessus hein. Ok bah tu fais bien de nous prévenir. J'aime l'équipe alpha, c'est ça, tous l'équipe alpha. Oui. Bon ben Lynn, vous croisez Padre qui vous fait oui. Faites gaffe hein, laissez plutôt vos armes ici hein. Bah ouais, de toute façon on va pas y aller armé, hein. Mais on passe juste comme ça. Non mais il a pas attendu ta réponse, il s'est barré hein. Oui, je m'en doute. Mm. Bon, de toute façon, dans la salle à café, on va laisser nos armes dans un tiroir. Hop. Vu qu'ils sont tous partis bouffer. Ouais. Et puis bon. Bah, ouais, enfin, j'hésite quand même. Comment s'appelle mon tuyau qui est là, qui est en train de se servir un café et qui tape la discute avec. Attends, mince, que je me trompe pas de nom.
Ah merde, putain. Hop, le... Ah putain, c'est où, ouais. c'est où. Voilà. Iron Man, Brain. Avec avec Omerta. Et Brain qui est là. Il y a donc Vinny et la Vinina, ou la Vita, je sais plus comment ça s'appelle. Et Brain et Omerta qui sont là, et ils sont en train de tous les trois taper la discute. Autour d'un bon café. Bah on les salue, mais on va... Ouais. Moi je vais aller à la salle de... On a pas beaucoup de temps, donc je vais pas trop m'embêter à... On va pas te faire... Non, mais discrètement, on va juste foutre nos flingues dans un tiroir... Peut-être tu peux les ranger aussi dans leur atelier, hein. Oui, aussi, oui, c'est encore mieux. Je veux dire, je déconseille de laisser ton flingue traîner, même au bureau du COPS, hein. C'est leur atelier, si tu veux le laisser poser quelque part. Donc on met nos flingues là comme ça on y va non armé, tranquille, et puis on pousse la porte et on rentre. Monsieur Nestor. Mon avocat doit arriver. Oui. J'en doute pas. D'ailleurs, vous lui passerez notre bonjour. Notre présence ici ne concerne pas les quelques bafouilles qu'on a retenues contre vous. Non. Votre présence ici concernerait plus le Médusa Volt. Bah, il vous regarde, hein, parce que vous avez l'air de parler, donc il vous laisse parler. Bah justement, on aimerait savoir parler du Médusa Volt. On aimerait savoir pourquoi les trois gangs importants s'étaient présentés le jour de son incendie. Médusa Vol, c'est comment dire, une zone neutre, donc ça arrive que tous les gangs s'y retrouvent. On est censé pas se battre là-bas, donc de toute façon, on a plutôt une bonne entente avec tout le monde. De toute façon, je dis se battre, personne se bat. Ouais. Et c'est pour ça que Médusa Vol t'a cramé de haut en bas. Mais le salaud qui a fait ça, c'est un connard. En plus, il servait une bonne boisson, la bonne boisson là-bas. Ouais, d'accord. Je pèse mes mots, mais c'est vraiment un salaud, hein. Vraiment un pas bien. Oulala. Alors je vois que t'es pas très à l'aise avec les notions abstraites. Alors si tu préfères les notions concrètes, on peut te proposer notre pied dans tes noix éventuellement. Attends. Non, je sais pas, c'est agressif. Enfin. Pouvez-vous me parler de Manfred, c'est le patron, hein, c'est ça ? Oh, un gars bien. Bon, il bullshit sa race. Non, de son point de vue, c'est un gars bien. Bah, je sais pas, la façon dont tu le dis me laisse penser dans que... Dans tous les cas, l'interrogatoire va être long. Je vais vous demander quand même de faire les jets d'interrogatoire et me dire sous quel... Elle a l'air d'être sympathique, elle a l'air de faire le good cop, je fais le bad cop, donc je vais essayer de le tailler un peu. Je vais lui faire peur. Alors du coup, est-ce que tu fais le bad cop après que j'ai fait le good cop, ou tu veux faire le bad cop d'abord et moi le... Ah bah, je me suis présenté comme bad cop, t'as essayé de me calmer pour jouer la good cop, donc après je pense qu'on peut faire quand on veut, hein, parce que je crois que les rules sont bien établies. Bah... Le truc, c'est que dans les règles du jeu, si moi je fais manger et que j'échoue, t'auras toi des difficultés. Et inversement, si lui, tu fais en premier et que t'échoues, moi derrière, pour le good cop, c'est plus compliqué. Voilà. Ok, il y a, comment s'appelle, il y a aussi Danny qui est avec vous, hein, si vous voulez faire un jet de... Il est resté dans la salle à côté, derrière la vie de Santin, pour s'assurer que personne vienne, et deux, regarder un peu comment ça se passe. Bah, moi, je peux essayer de le faire, hein, le jet de psychologie, pour savoir s'il réagit mieux directement à de l'agressivité ou pas, mais... Ouais, toi t'es plus dans le dedans de la tête des gens, hein, vas-y. Ça. Dans la tête des gens. Bah, moi, fait les shots, hein. Ah bah je joue mon personnage, hein, je suis pas... Bah si, je commence à me reculer. C'est sur éducation. Ouais, oh, perception ou éducation, attends, je sais plus, j'ai pris sous les yeux une seconde, j'ai pas une connerie. Alors, éducation, je préférerais, mais Oui, je me doute, j'en doute pas une seconde, hein, avec ton 5 ans d'éducation, tu préférerais. Alors, attitude à l'interrogatoire, partenariat, tatatatatam... évaluation psychologique, ouais, c'est ça.
Est-ce qu'ils mettent là le truc? Dans la compétence psychologie peut-être. Oui, non, mais ça oui, mais c'est voir s'ils mettent un truc. Non, ils ont pas. Ça, ils disent ça dépend comment tu prends le truc quoi. C'est toujours pas... Ah si, psychologie perception 2. Attends, 3. Ah là, c'est taquin là. Bon. Tlon. Tant pis. Oui. Tu peux le faire pour Dany. Yep, c'est possible. Alors, Dany, il a 2 en perception et en psychologie. Hop, il a 6. Ah ouais. Ben, ça fait... C'est juste, mais. Ouais, il a bien cerné. Clairement, il te dit avec ce gars-là, là, faudrait plus se la jouer poli ou amical pour avoir des trucs. Et ça a pas l'air d'être une tête brûlée. Il a l'air assez joué sur la carte sensible. Dans ce cas-là, ça serait possible de le faire flancher plus facilement. Il te dit. Le bad cop Guillermo va s'effacer pour laisser parler le good cop Lynn. Guillermo le tendre. vos jets, s'il vous plaît. Donc moi je le fais en intimidation, mais poli. Ouais. Intimidation. Alors, y a quoi au-dessus de poli? C'est un, y a un autre truc. C'est agressif, inquisiteur, froid et détaché, poli et amical. Bah amical alors. L'intimidation amicale, c'est concept. Alors je te lis. Hein. Amical, ça donne interrogation amicale. L'interrogateur se transforme en grand frère de son interlocuteur. Il est sympathique, compréhensif. Il sait toutefois rappeler qu'il commande et qu'il est inutile de chercher à lui mentir. Une telle attitude n'exclut pas la violence physique. Une petite tape sur la tête de temps en temps, peut être parfaitement donnée de manière amicale. Ah mais honnêtement dans le bouquin c'est très très bien foutu comme c'est écrit, moi j'ai trouvé l'approche agressive ou amicale en intimidation est très très bien foutu en fait, et tu le comprends, alors c'est pas évident au premier abord mais voilà. Donc intimidation... c'est pour l'intimidation c'est sang froid, intimidation 6 moins attitude donc c'est donc 6, si t'y vas en amical c'est moins 2 donc c'est sous 4 de difficulté. Contre 4. 4 sur son froid. Ah ouais, attends. Non, c'est le nombre de succès que je dois faire, non ? Non, attends, c'est quoi ? Putain, je comprends rien à ce truc. C'est le nombre de succès que je dois faire, en fait. Bah, toi, tu dois faire, de toute façon, intimidation sans froid. Je fais 2 succès. Ouais. Et lui, il fait, en fait, 6 moins son l'attitude que t'as choisi en sans froid. Et donc là, ça fait 2, donc ça fait 4. Ah putain. Et en sang froid, il a. Ok, non. Oui. Attends. Tu peux dépenser un point de. Oh, tu peux. Un point d'ancienneté histoire de passer à 3. Mais je sais plus où t'en es parce que j'ai l'impression que t'en dépenses à chaque partie. Bah, moi j'en ai un. Ouais, mais c'est toutes les 24 heures qu'il est remis à 0. Ouais, ben... Non, t'en as 2 points d'ancienneté au max. J'en ai 2 en tout, mais il m'en reste 1. Ok, donc ok, dans mes calculs. Tu l'utilises pour avoir une réussite en plus. Pour ton voilà. Ok. Donc le jet de Guillermo, s'il te plaît. Alors, le jet de Guillermo, bah, il va faire le concept de... Éloquence, intimidation, rhétorique. Déjà. Éloquence, parce que l'intimidation on m'a dit que ça servait pas. Donc éloquence, charme, éloquence. Alors, charme, éloquence. Plutôt charme. Rhétorique, pardon, excuse-moi. Ah, rhétorique, c'est éducation rhétorique. Ouais, on va faire éducation rhétorique alors. Allez, on y croit. Si je mets un truc en trouble, ça va pas. Ah, attends. Il y a un autre truc aussi. J'ai le droit de relancer un échec à mon jet d'intimidation. Un seul succès. Alors, à lui. Ça passe. Je crois que j'ai fait une boulette dans mon jet, mais... Ok. Lui, c'est... Donc...
Bon bah j'ai 4 succès en tout. Pareil, poli, monsieur... Oui, tout à fait poli, hein. J'ai bien compris le message disant qu'apparemment le fait de le secouer ça servait à rien, donc on va y aller grand frère. Il a fait un jet de bâtard quand même, hein. Parce que 4D à 8 de difficulté, 3 succès, c'est... Éducation et l'attitude, c'est... Bizarre. Ouais, parce que je crois que je me suis planté sur le jet que j'ai fait pour la défense. Hein. Bon, mais de toute façon... Bon, dans tous les cas, vous avez réussi tous les deux. Oui. Donc, clairement... Bon, c'est... Hop, je pars du... Donc, qu'est-ce qu'il lâche? Parce qu'il va pas tout lâcher, vu que vous avez pas fait des grosses, grosses scores. Alors, tac. Donc, il va vous... Alors déjà, il vous parle des autres gangs. Et il vous balance plusieurs noms des autres gangs. Mais rien qui vous rien de nouveau. Ouais. C'est les autres gangs, c'est leur faute, etc. Il vous dit que que Manfred et le Medusa Vault, bah, c'est un lieu neutre qui sert de plaque pour des petits trafics, pour pouvoir parler en gros et prévoir des trucs entre nous, etc. Et il vous dit que Manfred, il y a quelques jours, vous a dit qu'il y aurait une très bonne affaire à proposer à cette... C'est une très bonne affaire. C'est tout ce qu'il a à dire. Et que donc, vu dans l'état où il est, la bonne affaire, elle doit pas être si bonne que ça. Ouais, c'est juste ça en fait. Et donc, ses amis, il en fait partie lui. Oui, mais c'est ses amis, c'est voilà. Moi et les autres gangs, en gros, je pense. C'est que mon gang. D'accord. Mais je sais qu'il avait un gros coup et qu'il voulait nous en parler. Il a pas eu le temps. Donc potentiellement peut-être que un des amis invités a été vorace. Alors lui te dit normalement ce soir-là moi je sais que par rapport aux gens qui étaient sur place personne des gangs on s'est tous regardés et personne n'a vu Manfred hein, ce soir-là. D'accord. Et que si ça il te dit si ça te fait plaisir je peux te dire que c'est un tel ou un tel mais non même pas en fait. Donc voilà. Et vous n'avez pas plus en tirer, par contre, ça vous prend plusieurs heures d'interrogatoire. Oui, bah je m'en doute. Et je suppose qu'on a assez de temps. Il y a un sniper qui rentre, il fait « Mais qu'est-ce que vous faites là, vous? Allez, foutez-moi le camp !» Ah bah évidemment, on va se barrer. J'espère que vous leur avez rien dit, hein. C'est pas très discret, le gros sniper. Bah normal, avec un conseiller. Merci, citoyen, de votre coopération. Pensant à la Lomax, t'as fait ton tour de tous les chemins de ronde, tout ça, etc. Il y a moyen de s'infiltrer de jour et de nuit, mais c'est quand même tendu. Hein. C'est tendu. T'es là, Cocoon ? Moi je suis là, mais Cocoon ? On a dû perdre le Cocoon. Bah, il est toujours petit sur Cocoon le est demandé DS, mais... Cocoon. Oui, je suis là. C'est juste que j'étais en train de descendre, le canaïs va monter au lit. D'accord. C'est bon, je suis là. Donc, on disait, t'as fait le tour des patrouilles et autres. Et yeah. Donc, il doit avoir moyen de jour et de nuit de s'infiltrer par les comment s'appelle les barrières. Ouais. Condition de mettre une couverture. Mais ça reste quand même un peu tendu parce que ce que tu remarques, c'est que les gardiens ils suivent pas forcément une ronde exacte quoi. S'ils ont envie d'aller à gauche à un moment, ils vont à gauche à un moment quoi. Ouais, donc on n'a pas un planning millimétré à la seconde près quoi. Non. Ça va être un peu la chance quoi. Et c'est deux jours hein, parce que de nuit c'est peut-être pas la même chose. D'accord. Du coup, j'en profite pour faire comme avec conseiller Denis, de voir au niveau des deux autres étudiants, une fois que j'ai fait un peu tout ça là, de voir si je peux essayer de retrouver leurs traces ou pas, quitte à chercher l'administratif. Alors, vu que je fais le jet de perception, mais fais-moi un petit jet d'éloquence en fait. Éloquence. Éducation, éloquence. Ou d'éducation tout court, peut-être même. Ok. Euh,
Ouais. En gros, tu te balades, tu parles un peu avec les gens de façon assez rapide, et on te dit que ouais, bah, ils sont sûrement dans leur chambre. On les a pas vus beaucoup sortir ces derniers jours avec les événements. Mais on te dit, ils font partie du, ils sont chacun les deux, ils sont, on va dire les quatre mômes en général, les quatre que tu connais, sont dans quatre confréries différentes, donc dans quatre bâtiments différents. Ah merde, sinon c'est pas facile. Et autant, bah comment s'appelle, le jeune Wax, on l'a pas vu beaucoup. Mélissa, alors pour le coup, on l'a pas vu du tout quasiment, elle s'est enfermée. Et les deux autres, ça leur arrive de sortir. Ils continuent un peu à aller en cours, à faire des deux trois activités, mais bon, rien, t'en apprends pas grand chose de plus, quoi. Ouais, ils sont restés au calme, quoi. Ok, bah je te transmets ça, Denis. Je t'appelle au passage pour tenir au courant, histoire que tu t'emmerdes pas trop, mon pauvre. Non, mais de toute façon, il y a que toi qui peux rentrer, donc pour le moment, voilà. Mais bah, voilà, c'est un ça. Étudiant, et puis je lui pique un costume. Ça peut se faire aussi. Oui, bien sûr. Bah, tu peux très bien. C'est, je te dis, c'est les pensionnaires. Hein. C'est-à-dire que t'as une laverie. Hein. Ouais, bah justement, je suis en train d'y réfléchir parce que là, du coup, c'est vrai que je suis tout seul. Denis, il est un peu sur le carreau, donc c'est un peu chiant pour lui. Non, ça va. Ça peut se tester. Oui, enfin bon, ça, on serait plus efficace à deux, je pense. Ça peut se tester. Fais-moi un jet de discrétion. T'as pas compris dans quel jet efficace. Ok. Juste pour pouvoir t'en prendre un et pouvoir le sortir sans te faire ah, ouais, c'est pas trop. Un. Non, ça me suffisait, hein. Je voulais juste un. Bah, il pleut, okay. Il fait moche, les gardiens ont tendance à pas trop à être trop regardants. Tu mets ça dans un sac que t'as trouvé, un sac à dos, tu tasses au fond et tu sors avec. Tu prends un déguisement, tu prends en gros, vous êtes 5 déguisements. Aux tailles que tu penses, dont un truc fait. Quitte à envoyer un message à Denis pour avoir les tailles. Exactement, hein. Tu prends trois trucs d'étudiants masculins et une écharpe professorale. Ah, bien ça. Non, parce que infiltrer la laverie des nanas. Ouais. Ouais, moyen, ouais. Non, c'est pas ça, c'est que je vais te demander un jet un peu plus corsé en fait. Tu m'étonnes. Non, mais à la limite, ouais, bah, au moins si j'ai déjà ça, c'est pas mal. Plus une écharpe professorale, c'est déjà très bien. Il y a des corsets dans la lingerie féminine. Pourquoi ouais, pas ils sont très vieilles en Angleterre, en fait, c'est pour ça. Bon. Du coup, bah, je file à l'entrée sud, du coup, vu que là, Denis m'y attendait. Je m'arrange, du coup, pour qu'on se mette un peu à l'écart, pour qu'il se change pas, tu vois, genre devant les grandes portes. Ouais. Ça, au moins, il a de quoi. Bien et vous faites quoi, vous êtes changé parce que y a pas de. Vous voulez faire quoi dans le campus? Bah dans l'idée on peut essayer de voir pour choper du coup, enfin voir ce qu'ils sont devenus, enfin s'ils sont toujours en vie déjà dans leur chambre là, les deux autres là, merde, les deux isolés. Ça pourrait être intéressant. Alors Mélissa, ça va être dur quand même. Hein. Ouais. Parce que le dortoir, pareil, hein, c'est toujours dortoir de filles, les mecs qui rentrent dedans. Ouais, ça qui est filles dedans. Spotter, bah, hein. au moins le mec quoi déjà. Ok. C'est vachement cool pour la Californie quand même. Hein. Je vais le faire en rapide hein, parce que le temps que vous y allez et tout. Vous rentrez. Denis, tu me fais un jet de déguisement. Ouais. Alors attends, juste quand je prends ma fiche. Et tout. Mais dis donc, si vous tombez nez à nez avec un des quatre, vu comment vous êtes tous passés un peu la télé. Ouais. C'est sur du 9. Et c'est quoi la compétence? La carac. Éducation normalement. Parce que pour le coup c'était réussir à se faire passer pour. Oh la vache. Eh ben voilà. Bonjour, je suis cramé. Mais. Y'a personne qui a. Discrétion, déguisement. Déguisement, personne n'a pas acheté les compétences quasiment. Personne qui l'a clairement. On va se faire des stages. Donc. Bon bah. Je suis cramé hein. Tu rentres dans le bahut et en fait tu te comportes pas comme un adulte en fait et surtout c'est bizarrement trop comme un adulte justement. C'est ça. Et il y a des jeunes qui te regardent vraiment tous bizarrement. Tu t'en aperçois assez vite hein.
Ouais, je fais bon. Accélérer le pas. Non, non, je fais bon. Bah tu décroches. Je vais m'écarter. Hein, tu ouais. décroches et tu veux pas décroche. Avoir la sécurité sur le dos en fait. C'est ça, c'est. Je me casse. C'est pour ça. Va faire un stage en discret. Hein moi discret, t'as vu ma carrure. Bon alors les bases les gars. Maquillage mort. Bon instant de l'autre. De l'autre côté. Ben... terminé. Oui, est-ce que c'est... Vous avez un café à la main, et qu'est-ce que vous faites maintenant? Bah, je pense que... Enfin, je pense que nous, ça va être quasiment terminé pour le reste de la journée, à moins que Lynn ait des idées... Okay. Non. Dans tous les cas, il y a... comment ça s'appelle? Merde. Il est où le... Il faut que je me remette la gueule des... les noms des copes. Il y a... comment ça s'appelle Pitbull qui vient vers vous. Il vous dit, ouais. Bon, est-ce que vous avez besoin que j'essaie d'en rattraper un deuxième pour demain? Ouais, ça serait cool. Ok, on va voir ce qu'on peut faire, parce que ça va, ça, je pense qu'on pourra encore en choper un deuxième, et après je pense que ça va se voir. Ouais. Ouais. Mais bon, ouais, c'est ça. Donc, demain matin, ou demain dans la journée, je pense qu'on en aura un deuxième. Bon. Allez, salut. Merci. Ciao. Je vous l'aime pas, hein. Non, 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 bien sûr que non. Il a l'air déçu, hein. J'ai pas répondu. Hein, il est... Ça okay. m'étonne qu'il se fasse repérer. Donc, vous faites quelque chose pour le reste, sinon je pars du principe que ça va être le soir. Mm. Bah moi je vais essayer de voir pour le gars du coup, bah tout seul par contre quoi. Parce que vu que donc, le essayer de trouver Wax. Tu me fais un deuxième jet pareil, éducation pure, comme en gros tu poses des questions pour savoir s'il est là, dans quelle chambre. 3. Ok. On te dit qu'il est parti, il y a de ça quoi, 30 minutes, aller voir sa famille pour préparer l'enterrement de demain. Merde, ouais bah FA sans doute. Bon bah je pense qu'on aura pas beaucoup plus d'informations pour l'instant. Puis si je commence à traîner un peu trop, ça va finir par être super louche. Bon. Quelque chose d'autre à faire sinon Non, moi je vais sortir du campus là pour l'instant. Ah okay. Mais en fait le truc c'est il est parti. Mais je suis pas au téléphone. Enfin si. Tu peux m'appeler puis me dire ouais bon Wax il est parti. Bah de toute façon, vu que là j'ai plus grand chose à faire, à la limite, je vais te le dire en live. Eh non, 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 c'est... Bah de toute façon, tu m'appelles pour que je te chope à une des sorties. Oui, c'est ça, y'a pas de soucis. Mais moi, je fais... Attends, tu fais demi-tour. T'as quoi sur toi? Tu peux être intéressant. Attends, j'ai pas compris. Qu'est-ce que tu m'as dit? Micro. Les micros. Micro. Un micro dans la chambre de Wax. Ouais, merde, j'ai plus... Attends, je les ai plus en tête, ceux-là. Être long, t'as quelqu'un qui te concurrence. Oh, qu'est-ce qu'ils sont de mauvaises langues. Enfin, t'es gentil, moi je sors du taf. Non, non, mais c'est pas ça, c'est que... Tlon, sur d'autres parties, s'est lancé aussi sur un truc comme ça, et au bout d'un moment, il avait oublié l'objectif. Complètement. Par contre, du coup, mais ceci ne nous regarde pas. Sa porte doit être fermée à clé de toute manière, donc ça fait chier. Là, va falloir peut-être. Déjà, t'y vas. Quoi. Bah, je vais y retourner, bien sûr. Mais après, je me l'ai dit que ça va peut-être être. Bon, en fait, je vais voir. T'es devant la porte, qu'est-ce que tu fais? Bah, j'essaie de voir. Bah, y a des gens dans le couloir ou pas? Il est 21h. Ouais, y a du mouvement dans le dortoir. Ouais. Y a de temps en temps là des moments de vide ou pas? Ouais, mais c'est à base de quelques minutes, peut-être une petite minute ou deux, quoi. Ouais, bah du coup, j'attends de voir que, enfin, quand c'est un tout petit peu plus calme, tu vois, histoire de pas y aller comme un bourrin, puis je regarde du coup déjà si c'est fermé, même si j'ai une bonne... Non, mais j'ai dit que c'était fermé, c'est... Ouais. Ok, tu me fais... coordination électronique, 4 de difficulté. C'est de la serrure magnétique, hein, faut pas déconner. Enfin, c'est de la serrure électronique. Yeah! Quand même. Ça passe. Respectable. Oui, il a 7 en électronique. Hein,
Je sers à quelque chose, youpi. Donc t'as quelques outils sur toi, tu bidouilles vite fait, tu démontes vite fait, tu bidouilles 2-3 trucs, paf, ça s'ouvre. Ok, bon bah j'entre. Par contre, on est faction se voit. Voilà, bah ouais, bah écoute, je vais faire vite fait, je rentre à l'intérieur, je ferme la porte. Qu'est-ce qui peut être bien comme comment bref, j'essaie de choper un endroit bah, à peu près cool pour foutre okay, un micro. Ok, tu quoi. Fais un jet de discrétion pour ton micro, pareil. Alors ça va être sans froid pour le coup, t'es sous pression. Sans froid. Avec discrétion. Ouais. L'endroit, c'est le micro, tu le fous, tu le bloques sur une latte. Ok. Bah, faut pouvoir entendre quelque chose. Le micro, tu penses qu'il est bien caché, c'est bon. Ok, bah du coup je ne traîne pas plus, je sors et puis bon, bah, je referme derrière. Du coup, je pense pas que je peux rebidouiller pour que ça se ferme ou pas, pour que ça, enfin, même si vas-y, ça s'est vu. Vas-y, tu m'en fais le même jet avec un en moins de difficulté. Deux. Ça risque de se voir. T'as essayé de remettre comme tu voulais, comme tu pouvais, mais bon. Disons que oui. Si quelqu'un passe avec un œil un peu averti, il verra que ça a été forcé, quoi. Ouais, bah de toute façon, je vais pas rester là trois plombes sur la serrure, hein, je m'en vais. Non, mais voilà. Ok, je te rejoins, tout content. Hey, micro. Ok. Bon. Il est 22h30. Alors, je vous fais le coup de téléphone. Ouais, vas-y. Fous-nous dans la merde. Coup de téléphone. Oui, 22h30, coup de téléphone. Vous êtes convoqué. Vous avez tous un coup de fil de votre comment ça s'appelle ? Alors plombier. Coup de fil de votre chef. Ah. Donc Todd. Allô ? Allô ? Oui. Donc Iron Man. Je vais vous voir tout de suite directement au bureau du SAD devant l'inspecteur Damasque dans la minute en uniforme avec vos armes tout ça. Oh, putain. Bon. Non, excuse-moi, demain matin. Ah, je m'en assure. OK. Avec armes, plaques et avocats. Oh putain, ok d'accord. Je vous le dis tout de suite, Damasque est en train de remettre ses conclusions au SAD, actuellement. Il nous a même pas interrogé. Je crois qu'il n'y a pas besoin avec le dossier. À la radio, pendant que vous, le chef raccroche, pendant ce temps, à la radio, les cops dans le rouge, on parle d'inculpation rapide et d'affaires internes en ce qui concerne la mort de Maître Wax. Manifestation anticonformiste sur Pico Boulevard, la police anti-émeute est sur les rangs. Finline de curling virtuel sur Chanel Visura Sport. Les Canadiens de Paul River sont donnés favoris. C'est la merde. Ouais. Ouais. C'est les Canadiens qui vont gagner. C'est la merde. C'est vraiment la merde. Non mais voilà. Il nous a même pas interrogé, il a bâclé son enquête quoi le mec. Clairement. 22h45. Le c'est téléphone la merde. De Lynn sonne. Un téléphone personnel. Ok, je décroche. Allô ? Tu connais pas le numéro. C'est Lynn Greyreich à l'appareil. J'ai pas entendu ce que t'as dit. Lynn Greyreich à l'appareil. Okay. T'entends respirer. C'est quoi c'est... Allô ? Allô ? Oui, allô oui. Qui êtes-vous? C'est Mélissa. Très bien. Je vous écoute, Mélissa. Il faut que je vous voie. Rendez-vous au musée du collège. J'essaierai de me cacher. Il m'en veut. Je veux pas finir comme Maître Wax. Et si vous pouvez me retrouver vite. Et tout fail. Ce soir? Oui, ce soir. Très bien. Je vais me débrouiller. Il faut me protéger quoi de l'apocalypse, j'ai des preuves. Ça raccroche. Mais où parti encore. OK. Il y a la au musée du campus. Du musée, il doit pas être bien grand le musée hein, ça doit être une pièce quoi. C'est un campus. Mais pourquoi il a parlé d'apocalypse? C'est surtout ça moi qui m'embête. La fin du monde. Je sais pas. Bah du coup, je vais y aller, hein. Je sais pas comment, mais je vais y aller. Bah, peut-être tu préviens tes amis, quand même. Oui. En retour, en urgence, là. Si tu veux, j'ai des... Messieurs, c'est grave. Je vous envoie par sur vos, enfin sur vos téléphones sur que je vous ai payé, hein. Gracieusement, tu vois, dans ma grande bonté,
Je vous dis que moi. Je viens de recevoir un appel d'un témoin très particulier de Mélissa, la meuf qui était dans la voiture. Et elle m'a contacté directement pour me... Elle voudrait que je la rencontre cette nuit dans le musée de la fac. Elle avait l'air d'être... en danger ou effrayée. Enfin, effrayée plutôt. Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on y aille armé ? Potentiellement, mais je pense qu'il faut y aller vite. Donc on y va en civil, mais armé. Ouais. Donc moi, en gros, je vais enfiler un sweat noir, un pantalon noir, des chaussures noires, des gants noirs. Et un sabre dans le dos. Non. Bon, mais moi, je vais enfiler ce que j'ai sous la main, parce que j'ai pas le choix, de toute façon. Moi, je me tiens prêt. C'est quoi ton t-shirt cops? C'est le truc des Girls with Balls. Ouais. C'est ça que t'enfiles? Tu l'as sous la main là. Bah. Ouais, je cherche pas. Après, tu peux rester le chauffeur, tu vois. Tu restes derrière et tu nous évacues quand il faut. Mais voilà. On va rester deux chauffeurs, comme ça sera plus drôle. Ouais. Si on veut. Alors, moi, je vais être franc, hein. C'est pas très intéressant qu'il y ait des chauffeurs. Mais bon. Non, ouais, non, mais je veux qu'on rentre comment? Moi, je me suis fait cramer déjà. Ben. Christopher, après, il a pourquoi peut-être il s'habille en noir? C'est pas pour rentrer par la porte. Hein. Ah bah oui, clairement. Hein. Bah, c'est-à-dire que j'ai une jeune fille qui se sent menacée et qui a peut-être des informations pour que je garde mon job. Je vais pas présenter mes papiers à l'entrée. Hein. Clairement pas. Hein. Ça va peut-être... Ça, c'est clair. Je vais passer, quoi. Quoi qu'il arrive, je passe. Hein. Voilà, donc on trouve un escabeau, que sais-je, et puis hop, on y va, quoi. Ouais. Dans tous les cas, techniquement, juste pour technique pour franchir le mur, c'est athlétisme, carrure et un de difficulté, juste en sautant, en fait. Ouais, c'est facile. Sauter escalade, voilà. Non, mais c'est facile pour moi. Mais voilà. Si on nous fait la courte échelle, ce genre de choses, ça peut peut-être... Ouais. Bah après, l'autre problème de l'échelle, c'est que ça marche que d'un côté. Mais oui, après, il y aura que moi qui en aura besoin, en fait. Hein. Après, j'ai envie de te dire, les gens peuvent te faire la courte échelle aussi. Oui, je veux pas te quitter pas. Hein. C'est ce que j'ai dit, mais... Bah, j'ai entendu l'échelle, pas la courte échelle. Oui. Ok, vous de quoi? Eh ben... Goku, ne j'entends plus. Bah, nous on est encore dans le secteur, donc du coup j'attends de voir au niveau de. Bah, Lynn, tu nous as. Ah non, mais t'es plus dans le secteur, hein, t'étais pas. Ah oui, non, il est 23h. Et... Ah, j'ai rien dit, excuse-moi. Bah, écoute, s'il nous a prévenu, on va peut-être y retourner, du coup, histoire d'assister les copains, quoi. Ouais. D'accord. Bah, ouais. C'est. Tu me fais demi-tour, faut qu'on y retourne. Le frein à main il est serré, et puis le demi-tour a trop de temps. L'idée. Je rappelle que vous avez aussi des costumes, hein, s'il y a besoin. Bah, l'idée est que on se regroupe et on voit ce que vous pouvez nous proposer comme solution. Parce que Christopher, tu as passé toute la journée dans ce putain de truc. Clairement, je vais avoir des attentes par rapport à ça. Maintenant, si tu... voilà. Donc, je pense que l'idée, c'est qu'on va brainstormer au moins 5 minutes avant d'y aller ensemble, dans une voiture, que sais-je, quoi. De toute façon, il faudra quelqu'un qui nous bagnole pour nous récupérer tous les quatre, parce que tout le monde n'a pas une voiture, déjà, Edin. Ouais, j'ai une voiture. Et si on veut y aller rapidement, il faut qu'on trouve justement un moyen de locomotion rapide, à savoir une bagnole. Donc, je pense que le premier qui a la bagnole saute dedans et fait le tour des popotes pour récupérer ses petits camarades. Je pars du principe que vous êtes déjà regroupés, là, hein, pour moi. C'est vous êtes retrouvés et vous êtes en train de brainstormer. Mais de toute façon, comme il est 23h45, vous allez brainstormer et ça sera de toute façon la semaine prochaine qu'il y aura la mise en application. Alors soit vous brainstormez avant, soit vous brainstormez la prochaine fois. Je pense que c'est mieux la prochaine fois, comme ça au moins ça sera clair dans votre tête. De toute façon, je démarre tôt demain matin, voilà. Je serai d'avis justement pour faire la pause maintenant, ce qui serait parfait pour moi. Donc je conclue sur vous arrivez avec les deux, je crois qu'il n'y a que deux bagnoles et une moto, si je me rappelle bien. Oui, enfin je pense que je suis avec Guillermo, hein, donc... Ok, donc à deux bagnoles. Et tu as donc Christopher qui sort le plan de comment ça s'appelle, du campus. Du campus.
En disant parce qu'il sait où sont les caméras, par exemple. D'accord. Elles sont allumées. Yep. Et on s'arrête là pour ce soir. Ah, par contre, moi, je peux savoir où sont les caméras extérieures. Oui. J'arrête l'enregistrement, du coup. Donc, au revoir, tout ça. Ok. Bon, c'était court, j'espère que ça a plu. Même si, bon, c'était dur au début.